Ce lancement ce mardi à Goma du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour permettre de veiller au respect du cessez-le-feu dans les affrontements entre les FRDC et la coalition M23 RDF, mais également des différentes violations des droits de l'homme qui pourraient être commises dans les deux parties. Cette cérémonie s'est tenue sous la facilitation de l'Angola. Sous la présidence du ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda a été lancé ce mardi à Goma en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Cette cérémonie a ainsi marqué l'entrée du Rwanda dans ces mécanismes ad hoc, se réjouit le patron de la diplomatie angolaise, Tete Antonio. Nous avons donc lancé le mécanisme de vérification ad hoc et pour pouvoir aider, n'est-ce pas, le processus de Luanda à atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il a été aussi question que durant ce lancement, le nouveau membre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit présenté, c'est ce qui a été fait. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcé par moi-même et mes deux collègues, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix et le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Tous ces trois pays ont insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu dans les affrontements entre les FARDC et la coalition M23 armée rwandaise, qui est d'ailleurs la mission principale de ces mécanismes ad hoc ainsi installés. Nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc sûrement le feront. Nous aiderons à atteindre cet objectif. Et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est la recherche de la paix. Pour Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile des Rutshuru, le processus de Luanda n'est pas une solution à la crise entre le Rwanda et la RDC, vu l'hypocrisie qu'affiche le gouvernement rwandais. Vous avez suivi le discours du ministre des Rwandais Affaires étrangères. Il a dit qu'ils vont lever des mesures de défense. C'est quoi ces mesures de défense? Pourquoi ils ne veulent pas dire clairement qu'ils vont retirer le RDF sur le sol congolais? C'est pourquoi nous disons que demain, ne vous étonnez pas qu'ils disent non, voilà, nous on n'a jamais demandé que les unités rwandaises vont se retirer, alors que nous on attendait qu'ils disent clairement qu'ils s'engagent, qu'ils vont retirer ces militaires sur le sol congolais. Et que donc pour nous, nous pensons que militairement, ça va nous aider à éliminer cette menace qui est en tout cas devenue, je vais dire, très récurrente sur le sol. Bien avant cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a réuni à Kinshasa les ambassadeurs des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'Union européenne et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo. Il était question d'évaluer le cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août dernier dans le cadre du processus de Luanda qui avait un cessez-le-feu qui avait suscité de nombreux espoirs. Devant les ambassadeurs des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union européenne, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a appelé la communauté internationale à reconnaître publiquement la responsabilité du Rwanda dans l'exportation des minerais provenant des zones de conflit et dans l'entretien des tensions persistantes à l'est du Congo-Kinshasa. Au cours de cette réunion stratégique tenue à Kinshasa le lundi 4 novembre, Thérèse Kayikwamba Wagner a souligné que malgré les cessez-le-feu en vigueur, depuis le 4 août dernier, des contradictions flagrantes subsistent entre les déclarations officielles de Kigali et ses actions sur le terrain. Elle a relevé que même si le cessez-le-feu était largement suivi, une certaine contradiction est perceptible entre les discours publics du Rwanda et les actions sur le terrain, à savoir la prise de certaines localités et la supervision de cette prise avec les zones minières. La chef de la diplomatie congolaise a donc interpellé une fois de plus la communauté internationale sur le fait que le Rwanda ne soit pas toujours indexé publiquement pour l'exportation des minerais
provenant des zones de conflit. Pendant ces temps, la situation reste tendue dans la province du Nord Kivu. Des combats violents opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo autour de l'agglomération de Kaira dans le territoire des Masisi. Les rebelles du M23 soutenus par les régimes sanguinaires du Rwanda ont lancé des attaques coordonnées depuis les axes de Kasopo, Boutalé et Kirumbu, selon des sources locales. Par ailleurs, la localité de Kamandigit, située sur les rives du lac Édouard, à 10 km de Kanyabayonga, est sous le contrôle des rebelles depuis le 3 novembre dernier. Cette zone est d'une importance stratégique économique, exacerbant les inquiétudes quant à l'expansion de l'insécurité dans la région. Pendant ce temps, à Genève, les voix des Congolais se sont levées pour dénoncer la violation des droits de l'homme par le Rwanda dans la partie est du pays. C'était lors du cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a critiqué le rôle du Rwanda dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Patrick Muyaya a évoqué des violations des droits de l'homme qu'il impute à Kigali. L'une des raisons justement de la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC, c'est l'exploitation de minerais. Aujourd'hui, nous travaillons non seulement à mettre en place un processus de traçabilité avec les organisations de la sous-région, mais nous avons entamé par exemple une action contre Apple parce que nous estimons que certains, en tout cas produits, nous pensons que certains produits qui sont utilisés aujourd'hui dans la fabrication de téléphones portables ou des ordinateurs sont des produits issus justement de la violence. Et aujourd'hui, si nous voulons tacler et mettre fin à cette forme de violence, il faut que tous les acteurs impliqués ou intéressés par les ressources qui ressortent du sous-sol de la République démocratique du Congo puissent être tenus pour responsables et puissent collaborer de la manière la plus transparente dans le mode d'acquisition de ces ressources pour nous permettre aussi d'utiliser ces ressources pour régler les problèmes de développement, les problèmes de nos populations. Depuis longtemps, la République démocratique du Congo est connue pour la situation de guerre, pour la situation de violence. Mais aujourd'hui, le Congo doit être regardé autrement, puisque nous avons un pays qui a pris conscience de toutes ces difficultés et qui a commencé à donner des réponses pérennes. Aujourd'hui, la création du Fonds national de réparation de victimes, FONAREF, j'ai entendu l'intervenant de la France qui veut que cela soit étendu dans tout le pays. C'est une réponse du gouvernement. Les ressources, au-delà de ressources budgétaires qui sont mises à disposition de cette structure, mais 11% vient de la redevance minière, parce que justement ces compatriotes ont été tués, ont été des victimes parce qu'ils avaient des minerais dans le sous-sol. C'est pour ça que tous les 2 août, le président de la République a décrété la célébration du génocide congolais, du génocide pour des raisons économiques, parce que nous pensons que ceci ne devrait plus se répéter. Alors, il y a eu beaucoup de questions ou beaucoup d'intervenants qui sont revenus sur la question de la peine de mort. Pourquoi on a levé le moratoire? Monsieur le Président, la raison est toute simple, parce que nous voulons prévenir contre d'autres crimes imprescriptibles. Ce n'est pas un choix qui a été fait dans la plus grande facilité, mais c'est lorsque nous regardons la nature de certains crimes, de certains comportements qui sont commis, que nous avons décidé d'élever ces moratoires. Mais lorsque, encore que ce moratoire est bien encadré par une autre circulaire du ministère de la Justice, le premier vice-président l'a mentionné tout à l'heure, personne n'a encore été condamné à mort dans le cadre justement de ces moratoires. Mais lorsque la République démocratique du Congo recouvrera la paix, en tout cas, nous sommes engagés dans la... Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.